Cambridge. Oxford. Cambridge for the win. Oxford. Cambridge. Oxford. I'm supporting Oxford. I'm supporting Cambridge. Cambridge. We're Oxford. Et c'est comme ça chaque année, depuis que les universités d'Oxford et Cambridge ont décidé de s'affronter sur les bords de la Tamise pour une épreuve d'aviron entrée dans la légende britannique. L'occasion d'une joyeuse mêlée et surtout de descendre quelques pintes de bière pour les étudiants supporters. Cette cravate, je l'ai repassée spécialement comme ma chemise. En fait, le premier jour de l'année, c'est aujourd'hui. Pour assister à la course, les mieux lotis ont droit au balcon des maisons, pubs et clubs privés qui jalonnent le parcours. Costume obligatoire. Oxford contre Cambridge, c'est aussi une bataille entre membres de la haute société, les futurs leaders du pays. Avant d'étudier à Oxford, je suivais déjà la course. À l'époque, je soutenais plutôt Cambridge car j'habitais à côté. Maintenant, j'ai changé de camp, mais c'est toujours très important. Nous sommes tous ici pour voir la course et c'est la même chose pour ceux de Cambridge. Il y a quelque chose de particulier à Oxford et Cambridge qui fait que ces universités sont à part. Nous sommes meilleurs que tous les autres. L'université est meilleure, l'aviron est meilleur et ce sens de l'élitisme sera toujours là. C'est pour ça que cette course existera pour toujours. Née au début du 19e siècle, la course se tient chaque année depuis 1856 sur un parcours de 6 800 km dans l'ouest londonien. Avant le départ de l'édition 2013, Cambridge menait par 81 victoires contre 76 pour Oxford et un match nul, et oui c'est possible. En direct sur la BBC, Oxford a cette fois rapidement pris le dessus et remporté assez facilement la victoire. On aurait dû gagner l'année dernière, ce n'est que justice que nous l'emportions. Ils ont vraiment travaillé dur pour ça. Ces mecs s'entraînent tout au long de l'hiver, donc bravo aux deux équipes, mais c'est quand même bien qu'Oxford ait gagné. Pas d'abattement du côté de Cambridge, il y aura d'autres occasions de se rattraper. On va continuer à travailler et ça va aller, on les battra l'an prochain. Pour les autres, la bière va évidemment couler à flot pendant quelques heures. L'eau de la Tamise, il n'y en a qu'un qui va la goûter. C'est le capitaine de l'équipe victorieuse, tradition oblige.